l'État va distribuer des masques. Il va distribuer des masques aux professeurs qui devront les porter dans leur classe. Il va distribuer des masques aux agents qui travaillent pour son compte et qui doivent les porter. Il va distribuer des masques à ceux qui sont les plus vulnérables. Je rappelle qu'une enveloppe de 5 millions de masques sera chaque semaine distribuée par l'État, par les préfets, pour que les personnes les plus vulnérables, à la fois par leur fragilité, mais aussi. Les plus vulnérables économiquement puissent disposer de masques gratuits. Je rappelle aussi que l'État a pris une mesure qui n'est pas totalement sans intérêt, consistant à financer 50% du coût d'acquisition des masques supportés par les collectivités territoriales pour les commandes passées après le 13 avril. Ce qui veut dire que l'État prendra à sa charge la moitié du coût des masques qui peuvent être parfois distribués gratuitement par les collectivités territoriales. C'est évidemment quelque chose. Qu'on peut rappeler et qui doit être pris en compte. S'agissant euh, euh, des masques, euh, certains seront distribués, mais d'autres pourront être achetés par nos concitoyens dans la grande distribution, dans les commerces de proximité, chez les buralistes, parfois chez les pharmaciens aussi. Et cela correspond à du bon sens. Si on veut que chacun s'équipe dans la durée, il est précieux qu'on puisse en trouver partout, qu'on puisse les trouver à des prix qui ne soient pas excessifs. Et vous savez que nous avons limité le coût d'acquisition, le prix plus exactement, des masques chirurgicaux, de façon à ce que là aussi, nous ayons la possibilité, dans le plus grand nombre d'endroits possibles, de pouvoir nous en doter. Quant au port du masque en permanence dans l'espace public, ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons considéré qu'il y avait des endroits où il était nécessaire de porter le masque qui n'est jamais qu'un complément au geste barrière et à la distanciation physique. Mais lorsque vous vous promenez tout seul dans la rue, lorsque vous vous promenez tout seul dans la campagne, ce qui peut arriver, porter un masque n'a pas d'intérêt immédiat. Et donc nous n'avons pas décidé le port continu, général, absolu du masque, mais simplement l'obligation dans un certain nombre de cas et la recommandation dans d'autres.